Et oui, vous l'attendez tous, impatiemment, c'est le fameux Let's Play de Noël. Alors, joyeux Noël à tous, c'est Oliver Plasma, et on est parti pour un Let's Play sur la version rouge feu, attention, on va faire le jeu à 100%, c'est un truc de fou, non, je rigole. En fait, c'est, de toute façon, vous allez tout de suite le voir dans le titre, en cliquant sur ma vidéo, c'est magnifique, vous l'avez sans doute déjà vu avant. C'est Pokémon Tempest. Alors, Pokémon, la tempête des Evoli, voilà. C'est une version craquée. C'est un hack de Pokémon qui a été fait sur la version rouge, comme vous avez pu le constater. Ils ont changé des trucs, donc on va découvrir ça ensemble. Là, on va passer l'intro qui est extraordinaire. Au début, quand j'ai vu l'intro sur Game Boy Advance, je me suis dit, mais non, ça va être vraiment ça les combats? Et après, on voit réellement les combats sur la version Game Boy Advance. Ah oui, ok, c'est des skins qui se combattent. Des skins qui ne bougent pas. Aïe. C'est incroyable. Et donc, oui, cette version craquée est en anglais. Sachant que j'ai un niveau moisi en anglais, ça va être chaud. Je vais faire de mon mieux. Ouais, on va passer ça. Voilà. Alors, vous commencez à jouer à Pokémon The Tempest. La tempête des Evoli. Ah, c'est une fabuleuse aventure. Can only seulement a few taps. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. A few taps of a button hug away. Oui, appuyez sur le bouton A pour continuer, une connerie comme ça. C'est une version bêta. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais c'est une version bêta, c'est pas... Je crois qu'il y a que 3 ou 4 badges à récolter. Donc c'est pas énorme. Et à ce qui paraît, bah, j'ai l'impression que ouais, ils ont abandonné le jeu, parce que ça fait depuis 2000... Peut-être 2013. Je sais plus si c'est... En fait, si ça se trouve, c'est 2013, ils ont commencé, et 2016, ils ont arrêté. Ou alors, ils ont commencé plus tôt, et ils ont fini en 2013. Je sais plus. C'est une connerie comme ça, mais je mettrai ça dans la description. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont arrêté leur jeu depuis. Parce que, bah... Voilà, maintenant, il est sur Home Station, et puis basta, quoi. Il est mis comme si c'était un jeu complet. En espérant quand même qu'ils vont continuer à peaufiner cette version, parce que ça a l'air quand même prometteur. Wait in the tempest pest or rather irate girl. Alors rather, je sais pas ce que ça veut dire. Rat. Et je sais pas pourquoi il parle de fille. Except to be captivated. C'est peut-être une blague mais que j'ai pas compris. La région de Split, la région du clou d'arpentage, has much to offer. Va vous offrir from you a bedroom dans votre chambre. Oui. All the way, tout le chemin de Eastern, je sais pas ce que ça veut dire, Peninsula, adventure away. Une aventure palpitante dans un monde immense. Voilà, j'invente des trucs. Ah, ils disent bien à la fin, voilà, gameplay of this ROM hack, voilà, c'est un hack. Voilà. Après, remercions-les, voilà, pour leur effort d'avoir fait ce hack. Voilà, ils le disent à la fin. Below Zero. Voilà, c'est Below Zero ce qu'on fait ça. Below Zero Production vous présente cette magnifique version bêta où il y a seulement 3 ou 4 badges. Mais on a mis beaucoup de temps et d'efforts à faire ce titre. Voilà, c'est magnifique. Et on a repris la version rouge.
Et maintenant, maintenant, bon jeu. Ah, le professeur Chen. Oh, salut à toi, jeune novice. Je suis content de te voir, de te rencontrer. Ah, bienvenue dans la région de Split, le clou d'arpentage. Ah, je suis le professeur Chen. Ah, j'étudie les Pokémon, je veux dire. For long, pendant un long moment. Et je m'en souviens. I can remember. Oui. Je peux m'en souvenir. Ok. Je ne suis pas sénile. This is without a doubt. Ah, ceci est un Pokémon. C'est un Pokémon. Ah, for some people, pour la plupart des gens, ah bah c'est des animaux de compagnie. Et pour d'autres, ils les utilisent surtout pratiquement pour de la baston. Ils aiment se foutre sur la gueule, les Pokémon. Ils sont masochistes. Ah, however, hein, bah, peu importe. Quelque chose d'étrange vient d'arriver. Les Pokémon d'autres régions ont popé dans le territoire du clou d'arpentage. Autour de Split. Et... we don't know why. Et on ne connaît pas comment ça s'est passé, quoi, comment ça s'est produit. On est un petit peu perturbé et perdu. Ah, et aujourd'hui, ah bah c'est un grand jour. Tu sens l'excitation venir, petit étranger. Ah, voyons, es-tu un garçon ou une fille? Quoi? Quel est ton nom déjà, jeune étranger? Ah bah j'ai oublié ton nom. On va mettre Only PL parce qu'on n'a pas assez de place. Where is P? Voilà, PL. Ah, je m'en souviens maintenant. Ah, mais attends. C'est vrai? Oui, je m'appelle vraiment comme ça. Oui, j'ai un nom de merde, c'est ça? Oh! Celui-là me paraît familier. Ah, j'ai l'impression de le reconnaître. Ah bah bien sûr. Ah bah oui, c'est ton rival. C'est... et puis aussi, c'est mon petit-fils. Ah bah oui. Ah, c'est embarrassant par contre. Je ne me souviens plus de son nom aussi. Comment il s'appelle? Bah, il s'appelle... Yuyu. Mon grand rival de toujours. Vraiment, il s'appelle vraiment Yuyu. Oh bah bien sûr, je m'en souviens en fait. Oliver Plasma, aujourd'hui est un grand jour, un jour qui t'attend. Le monde entier ouvre ses portes pour toi. C'est vraiment excitant d'explorer tout ce monde. J'aime bien changer beaucoup les phrases. Ah, et voilà, on se réveille, on voit une NES. Oliver Plasma joue à la Wii aujourd'hui. Ah, mais. Something else. laissons ça de côté. Donc, oui, la Wii maintenant, elle a une gueule de NES. Voilà, c'est pour montrer tellement que la Wii c'est une console inférieure. Elle a une puissance de merde par rapport à sa génération qui montre une NES en fait à la place. C'est un troll des développeurs, vous voyez. Un troll de cette version hack. C'est une insulte. Non, je crois qu'en fait, voilà, ils sont pas fait chier à changer la skin, évidemment. Par contre, ils ont changé les dialogues.
Mais non, c'est une mini NES, attention. Oh, salut Oliver Plasma. Ah, t'as vu, j'ai glitché. Oh, t'as oublié. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un événement. J'ai jamais been more proud of you. J'ai jamais été... Je sais pas. Je suis désolé. C'est juste que je me remémore des choses de ton père. Par le passé, il est mort en tant que soldat et... C'est beau. Désolé, oui. Revenons à nos moutons, il n'en passe pas. Ah. C'est un bel log, oui. J'arrive pas à revenir... Je sais pas ce que je voulais dire, en fait. Oui, bon, ma mère est assez dépressive. Alors, voilà. Une version toute fluide, toute belle. Version Game Boy Advance. C'est beau. Contrairement à la version... un fantôme... Whispering... apparaît. Non, je sais pas. Is coming from inside. Vient de l'intérieur. Good thing it's locked. Bonne chose, c'est fermé. Oui, bien sûr. Et après, on est repoussé. D'accord, j'ai pas trop pigé. Mais voilà, c'est l'un des délires des développeurs. Oui, déjà que de base, j'arrive pas trop à traduire. Alors en plus, traduire et plus commenter en même temps en vidéo, c'est galère. Ah bonjour, Oliver Plasma. Comment vas-tu? D'accord. Très intéressant, cette discussion. Donc on va voir directement le professeur chiant. Qui est quelque part, voilà. Oh purée, mais il a grossi le rival ou quoi? Vu a mangé un peu de chips. Oh, bienvenue Oliver Plasma. Oh. Ah, j'ai finalement... wake up. L'œuf de Yuyu. Hatched yesterday. Hatched, je sais pas ce que c'est, a éclos ces derniers temps, hier. Voilà. Et aujourd'hui, c'est au tour de recevoir un Pokémon. Et oui, c'est un Evoli et non Eevee. Un Evoli wandered into dans le labo il y a quelques moments. Il se faisait chier. Et il a besoin d'une maison. Parce que moi, je sais pas. Vous savez, les animaux de compagnie, moi, non, c'est bon. J'aimerais les avoir sur mon Pokédex, hein, en version USB. Mais par contre, les avoir en vrai, ah non, c'est pénible. En plus, quand ils font leurs affaires, voilà, quoi. Je suis obligé de nettoyer mon labo à chaque fois. Ah, désolé, c'est parfait. Opportunity for you to start your journey. Ah, c'est parfait pour commencer ta journée. Evoli est spécial parce que il peut évoluer, il a 5 évolutions différentes. Alors, il y a l'eau, le feu, le thunder, le soleil et la lune. Attends, le thunder. Attends, ça doit être l'électricité. Ah. I'll let you pick one of those three stones, trois pierres sur la table. And you will choose. Ah, tu dois choisir lequel à utiliser. Alors, do you want a thunderstone? Attendez, sinon il y a voilà, water et le feu. The fire. Et moi, évidemment, je vais prendre le Thunderstone. Parce que Voltali est mon Evoli préféré. Il faut savoir. Il a tellement la classe, putain. Ah, bon choix. Bah oui, Voltali, c'est le meilleur.
Evoli va évoluer avec cette pierre que vous avez choisie. Oui, j'aime bien te tutoyer et te vous voyez en même temps. Maintenant, le moment vient de commencer pour toi. C'est ton évolu. Léon Plasma reçoit l'évolu. Would you like to give a nickname? Voulez-vous choisir un nom à évolu? Bien sûr. Merde. Voilà. Il le sait. Milka. Nous. C'est la classe. Et donc, to give you something. Quelle traduction. Il y a quelque chose que Yu-Yu veut te montrer aujourd'hui. The Overday. Ah non, les autres jours. Bon. It's called a Pokédex. Ouais, il parle du Pokédex. J'appelle le Pokédex. Oui. C'est un truc qui enregistre les Pokémon virtuellement. C'est énorme. On peut voir une skin du Pokémon. Ah, c'est magnifique. Moi, je l'ai un peu rempli moi-même, mais bon, j'ai un peu la flemme de continuer. Et avec ça, allez-y. Eh, maintenant, the perfect chance to have... J'essaie de faire une voix style Harry. Allez, on va faire... Je voulais faire une espèce de voix à la Vegeta. Attention, Kakarot! Je suis le prince des Saiyans! Non, j'arrive pas, moi. Maintenant, c'est la parfaite chance! Oui, quelle traduction magnifique! C'est mon premier combat Pokémon! Rival Yu-Yu veut se battre. Rival Yu-Yu envoie son Togepi. Go, Milkanou! Professeur Chiant. Ah, ici! Je vois. Vous êtes déjà prêt pour le combat. Alors, il ne remplace pas. Vu que c'est ton premier combat, eh ben, non, ta gueule, la ferme. Juste relax. Voilà, t'as les HP. Ah, t'as les Hilt Point. T'as les points de vie? Et merde! Bon, c'est pas grave, je suis tombé directement sur charge. Je speedrun le jeu. Ah, j'aime bien ta stratégie! T'appuies sur charge dès le départ, c'est fou, t'as trouvé la bonne attaque! Ah, Mikano! Ah, il fait baisser la puissance d'attaque de Mikano! Et j'ai l'impression que ça a rien changé. Sa vie baisse autant. Et il sait faire que ça, en tout cas pendant ma première run, parce que j'avais un peu commencé le jeu, voir s'il marchait bien. Parce qu'on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'un bug dans un hack. Hein. Ah oui, bah oui. L'attaque est déjà tellement faible que voilà. On peut pas faire mieux. Eh bien, Yu-Yu n'a pas eu de chance, il avait un Pokémon à chier. Niveau 6. Rival Yu-Yu a perdu. Waouh! Oh. C'était pas mon jour de chance aujourd'hui! Le remplacement a gagné 80. Oh purée, mais Yu-Yu, il est pauvre! C'est pour ça qu'il a sa 2DS! Ah, voilà. You really are natural.
Ah, this. I'm glad. Ah, bah, je suis impressionné pour toi. Pour ton Evoli, il est vraiment fort. Blablabla. Tu vas l'entraîner, il va devenir le meilleur, voilà. Oh, je parlais à ma sœur. Elle seule me comprendra. Ah. Je dirais que elle a rien à te donner. Ouais. Qu'elle a que des babioles et rien à me donner, quoi. Mais quel enfoiré. You are on your own adventure now. Il me dit encore la même chose. Ah, maintenant tu vas commencer ton aventure. Depuis le début il dit ça, mais c'est pas. Et donc, nous sommes déjà à 21 minutes, ça passe vite quand même. Eh ben quand j'ai des délias et tout, voilà, après ça passe vite. Hein. Avec mes voix toutes moisies. You're going to need... tu vas aller, tu as besoin... Oui, supplie, if you want to be a Pokémon. T'as besoin d'entraîner ton Pokémon. Voilà, elle donne des berries. Voilà. Mais bon, on n'est pas dans One Piece, là. Je vais pas être riche avec ça. Hein. C'est pas des berries, hein, la monnaie, ici. C'est comme si tu me donnais des francs, là. Ah, non, c'est de la merde, les berries, hein, dans les Pokémon. Moi, j'ai jamais utilisé ça. Vous gagnez 3 PV pendant un combat. C'était extraordinaire. Alors voilà, on va parler au petit garçon qui est tout seul. On sait pas. Il est en mode dépression. Oh, tes Pokémon vont s'entraîner maintenant. Oh, c'est trop cool. Oui. Les dialogues sont toujours aussi palpitants, hein, quand on parle aux gosses dans Pokémon. En tout cas, on n'a pas encore les chaussures, on peut pas encore courir. Oh, l'hiver plasma, attends. Ma sœur a un truc à donner pour toi. Ah non, en fait, il est gentil. J'ai mal traduit. Ils ont changé complètement les dialogues, parce que... dans la version originale, il fait que de dire minable et... T'es qu'une salope et... je vais... Et ma sœur n'a rien à te donner, voilà. Alors qu'elle donne je sais plus quoi, les chaussures, une connerie comme ça. Ah bah oui, voilà. Justement, on l'a sous nos yeux, voilà. Les chaussures pour courir, voilà. Voilà, magnifique. Ah, juste, appuie sur B. Triple andouille, t'allais pas le trouver si je le disais pas. Et puis maintenant, salut, on se voit au prochain battle. Ah, je vais entraîner mon auto-guépé. Il aura plus d'une attaque la prochaine fois. Oh, bon, je me fais vieux, moi. Oh, tiens. T'as besoin d'une shape. Oh, peu importe. J'ai regardé et j'ai vu que Yuju a perdu. C'est étonnant. Avec son Togepi moisi. Ah, j'ai spécialement besoin de parler avec toi. J'ai besoin de parler avec toi. Alors, j'ai refrained from telling your mother. J'ai parlé à ta maman de quelque chose. Parce que. Ah bah, I have heard a report of your father. Ah, des infos sur mon père. Mais alors, il a survécu. Il a survécu à la Troisième Guerre mondiale. Hopefully, you will have a chance to be reunited.
Vous avez de la chance de bientôt vous réunir. Bon, avec une longueur journée. Farewell, Oliver Plasma. Salut, Oliver Plasma. You know where to find me. Voilà, la magnifique musique au début. Donc lui, c'est pas un méchant. Et bah... Ok, ça, on est au courant. Les bases de Pokémon, quand même, il dit, là. Non, tu peux trouver des Pokémon dans les hautes herbes, mais... Et puis aussi, tu peux pas emporter plus de 6. Mikanu à l'attaque. Utilise ta... Tail. Que... Alors, Tail Whip. Alors, Whip. Ah, c'est... Du coup, Whip, ça veut dire mini? Non. Peut-être que nous, on a une traduction à chier. Zigzazon attaque. Il utilise un tacle. Oh mon dieu, mais c'est faute. Il a taclé dans le dos des volis. C'est une faute. Une faute dans les combats de Pokémon. Et voilà, Zigzagon est mort. Je sais jamais son nom à lui en version française. Je crois d'ailleurs que c'est Zigzagon. Quoique, je suis pas sûr en fait. Ah oui, mais je suis con, mais quel andouille, quel handicapé. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? On va utiliser la stone. C'est très important. Oh, Evoli vient de roter. Enfin, on dirait, vu sa gueule. Mikanu va évoluer. Mais en quoi? Mais quelle surprise. Mais vous allez savoir dans le prochain épisode. Non, je vais pas faire mon bâtard. Mikanu évolue en... Oui, bien sûr, en Voltaly. Le meilleur Pokémon. Pikachu, c'est une crevette à côté. Voilà. Admirez Mikanu dans toute sa splendeur. Voilà, alors, si vous vous demandez ce que c'est, hein, ce nom, Mikanu, bien sûr, je fais référence à le nom de mon chat, Mika. Voilà. Tout simplement. Hé, hey, enfant, j'ai attrapé des pas mal de Pokémon. Ah, c'est vraiment... Soug. Putain. Soug, à chaque fois j'oublie ce que ça veut dire, en fait. Ah bah oui, évidemment, on peut courir maintenant. Pour info, je joue avec la manette... Merde. La manette Buffalo. Oui, Tello, oui. Tu veux que je te donne un verre, c'est ça? Un petit tacle. C'est pas très efficace. Ça rapporte pas beaucoup d'effectifs. Ah, magnifique. Non. Mais je crois que je vais choper un Pokémon comme ça. Merde. Oh non, pas Ratata, non. Je vais pas attraper un Ratata, c'est pas possible. Ils sont trop forts, ils sont trop cheatés dans Pokémon, donc tu vois. Ça risque d'être trop facile, hein, vous voyez. Vous voyez, ils sont vraiment forts les Ratata quand même. Très résistants et tout. Bon, oui, c'est quand qu'on a des Pokéballs. Parce que là, j'ai que dalle. Donc, on va avancer. Et on va bientôt s'arrêter. Hein. Je sais pas, je pense que je vais pas faire des vidéos très très longues, vu que bah, cette version est pas très longue. Evoli! Evoli? Bah. Où es-tu passé?
Bienvenue au centre Pokémon. Ah, si vous voulez bien, vous pouvez healer vos Pokémon. Merci, à une prochaine fois. Vos Pokémon sont restaurés. Et merde, j'ai appuyé encore une fois, comme je le fais souvent dans un centre Pokémon. Je suis sûr que ça vous est arrivé plein de fois aussi à vous. Très chiant ça. Et le papy, faut lui parler, je crois. Bah, la route 3. Blablabla, ouais. Mais... Lucky Lee. Chance. Bon. Rescue Squad, Iskind. La route est bloquée, c'est ça? Ah oui, ok, elle est fermée pendant... Ok. La route 3 est fermée pour l'instant. Alors, bah, on va s'amuser contre des dresseurs, hein? Bonjour. Ok. On peut passer, là. On va voir la technique coupe, l'une des attaques les plus moisies du jeu. Qu'on est obligé d'avoir. On va acheter des Pokéballs. Merde. Mais c'est quoi cet émulateur de mon fion? Ça va trop vite. J'appuie une fois sur A et ça me le fait presque deux fois des fois. Voilà. On va prendre 10. Oh non, 8. Je suis pas comme Yuyu, moi je speedrun pas. On avance très lentement. Alors on va gagner 1200, voilà. Acheter 4 potions. Voilà, rien du tout, non c'est bon. Donc du coup, que faire? Il faut rechercher le mec qui est paumé, qui cherche son Evoli. Oui. Nous sommes au premier badge. Pourquoi il y a cette musique? Ah, c'est épique. Il y a un meuble juste devant. Oh, une télévision. Ah, on voit des Pokémon à la télé. Ah. It looks like it's having fun. Ah, c'est super fun de regarder ça. Oh, un lavabo. C'est délicieux l'eau. Ah oui, c'est vrai. Ok, donc là c'est la prochaine j'allais dire ligue. C'est le prochain badge, attention. Donc est-ce que là il y a un fantôme? Non. Ah c'est un Razor Majestic. Ok. Donc Razor, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire oiseau, c'est bird, mais bon, je comprends pas. Pick your two, carry your mail to our family. Ah oui, il envoie des messages à la famille. Voilà. Il écrit des messages, des lettres, et du coup, son Rukul, voilà, les envoie. Transporte les messages, le courrier. Brave Rukul. S'en fout un peu. Oula, il est horrible lui, on dirait Frankenstein. Oh, tu dois être Oliver Plasma. Ah, oh, ton copain Yuyu est juste stoppé ici. Mon nom est Broggy. Et it's always a Britain my day to meet and de rencontrer un apprenti. Oh, maintenant. Maintenant, call I forget, j'ai oublié.
J'ai rencontré Lulu pour lui donner, non? Give something, lui donner quelque chose. Bring back to Prof Chen. Pas Logan, hein, parce que Logan c'est moche. What's that? Qu'est-ce que c'est? You will be willing to do that for me? C'est une évolution! C'est incroyable! Il faut montrer ça forcément au professeur Ohak! Je suis sûr que le professeur Chien parle de toi! About the interesting Pokémon situation. Ah, il sera intéressant de voir la situation de ton Pokémon! Des Pokémon de la région Sif aussi! Split! Oui, alors pourquoi je disais clou d'arpentage pour Split? Parce que des clous d'arpentage... on va passer à Samsung là. Il y a trop de texte. A great trainer. Any other. Monenta. Nous utilisons pour appeler. Non, appeler him ou Monenta. Bon, on appelle ça Monenta, du coup, si vous... Bon, il a bientôt fini, là. Ah, voilà. Logi donne un truc. Ohak, je sais pas ce que c'est. C'est un autre professeur, d'après ce que je vois. La route 1, on revient à la route 1. Et... Nickel. Quel RNG magnifique, hein. Pour un speedrunner, c'est beautiful. Mais moi, je m'en fiche un peu. J'aurais même préféré qu'on tombe sur un Pokémon. Voilà, professeur Chion. Ah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? T'as quelque chose pour moi? Oh, mais c'est fantastique! C'est le Ohak! C'est une évolution! Ah non, non, c'est le professeur Ohak alors. Donc oui, c'est un professeur. Cette information vient à Vital Part. Allez, le plasma. Tiens, c'est une grosse ball. Great ball. Une super ball plutôt, non, je sais pas. The Pokéball, en fait. Non, c'est pas la Master Ball déjà, non? C'est pas possible. Utilise-la bien. Ah, pourtant, j'ai l'impression que c'est ça, vu qu'il dit utilise-la bien. Bonne chance. Avec. Tout. Everything. Oui. Try going to Regia City. Ah, il faut aller à Regia City. You can try earning. Your first gym badge. Ah, on va avoir notre premier badge, évidemment. Let's go. Attends, c'était quoi déjà? Regia City, c'est ça? Bon bah... Je pense que ça va être la fin de cet épisode, parce que ça commence à faire un petit peu long. Sachant que je pense qu'à certains moments, je vais passer... Ça me saoule. Ah, quoi que, on va essayer de l'avoir, on va essayer de l'avoir. Je ne sais plus le nom de ce Pokémon aussi, le nom en français. Bon, on va pas faire mini-queue parce que c'est vraiment de la merde. On lui fait mal. Là, il baisse notre attaque, mais c'est pas grave. C'est pas très efficace, en même temps c'est une attaque de type vol. Et les attaques de type vol font pas grand chose aux Pokémon type électrique. Alors c'est quoi ça? Ah bah c'est la Super Ball. Alors pourquoi il s'appelle pas Super Ball? Bonne question. Ah magnifique, vous avez attrapé Tailo. Voulez-vous donner un nom à Tailo? Oui. Je vais l'appeler casse-vitre.
Attends, est-ce qu'il y a assez de... Ah, je vais faire que des noms magnifiques. Hein. Ne vous inquiétez pas. Oui, je n'ai pas assez de... Bon, au moins ça se prononce comme vitre, voilà, on va dire que c'est ça. Ah mais non, il y a deux A. Purée, mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a eu deux A? Émulateur de cacahuètes. Voilà, je dis pas de gros mots. Ça m'énerve. Mais purée, mais arrête de faire deux fois. Voilà. Case vitre is back. Toujours là pour foncer dans la belle vitrée. Enfin, sur la belle vitrée. Hey enfant, j'ai quelque chose à te montrer. Tiens, regarde. Comme toi, j'ai besoin d'apprendre. Teaching. Enfin, pas d'apprendre, mais c'est learning, apprendre. Mais... voilà, ça veut dire à peu près la même chose. Well, I show you how to catch. Et je vais te montrer comment attraper un Pokémon avec une Pokéball. Mais je viens de le faire, abruti. Je l'ai fait devant tes lunettes. Ah oui, d'accord, c'est un vieux en fait. Ah oui, d'accord, donc il voulait dire que. Teach, voilà, évidemment, professeur, quoi. Enfin... Merde. Le papy utilise une Pokéball. Le papy a attrapé un Rattata. Ah non, Rattata est attrapé. Alors oui, le papy, il a une tête de jeune étudiant, binoclard, intello. Dans son sprite minuscule. Son sprite vu du dessus à la Zelda. C'est très étrange. Par contre, j'aime pas trop le sprite de Red là. Enfin, je crois que c'est Red, ouais. Comme ça, ça va, mais son grand sprite, il a une drôle de gueule. On dirait un peu un. Un jeune. Une jeune racaille dépressive. Voilà, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut passer par là du coup? Ah oui, bah c'est magnifique. Du coup, je vais soigner mes Pokémon. Et. On va un peu évoluer notre petit casse-vitre. Faut qu'il en casse des vitres quand même. Surtout que par la suite, faut surtout qu'il casse la gueule aux Pokémon qui sont en face de lui. Donc, pour qu'il apprenne comment utiliser ses attaques correctement, faut d'abord qu'il casse des vitres. C'est la règle number one. Bon bah voilà, c'était la vidéo un peu bah, complètement freestyle, hein. Let's play complètement freestyle, un mini let's play. J'aime bien faire souvent des let's play plutôt originaux, quand c'est Noël ou quand c'est le premier de l'an. Voilà, comme par exemple Star Fox Adventures, évidemment. Un jeu culte ici, mais qui allait forcément extrêmement bien passer en let's play. Rayman 1, bien sûr, aussi, même si j'avais mis énormément de temps à le finir. Ah non. Et il y avait aussi... Ah non, Beyond Good and Evil, j'aurais pu le faire, mais j'ai préféré le faire plus tôt. Et puis sinon, c'était le commencement de Skyward Sword, Zelda Skyward Sword, pour Noël aussi, mais bon. Mais bon, souvent, voilà, j'avais quand même envie de faire un petit let's play, voilà, let's play surprise, à Noël ou au premier de l'an, c'est plutôt sympa. Et je me dis, pourquoi pas jouer à des hacks, peut-être, à Noël, ou peut-être certains Pokémon, on verra, si ça vous plaît. Mais voilà, on va se laisser là, je vais juste rester ici. Je vais reprendre directement après et sur ce, je vous dis à la revoyure.
pour de nouvelles aventures et pour la partie 2.